J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche 19 avril, on se retrouve pour une petite vidéo traditionnelle, puisque c'est l'anniversaire de Nono. Voilà. Donc Nono, et ben comme tous les ans, il a son petit goûter d'anniversaire qu'on partage avec les copains. Donc aujourd'hui, je vais péter les carottes et les pommes. Je vais commencer par vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me souhaiter mon anniversaire hier. Voilà, j'ai eu 29 ans, Nomad en a 19 aujourd'hui. On profite parce que l'année prochaine, il en a 20 et moi j'en aurai 30. C'est mal, mais c'est comme ça. Et je crois que je suis encore floue. Décidément. Alors, je prépare les gamelles. Voilà. Et je vais leur mettre des petits morceaux de pommes et de carottes à l'intérieur. Et ensuite, on fera une distribution aux copains. Parce qu'il n'y a pas de raison que les copains n'aient pas le droit aussi de profiter de ce goûter. Donc, ils auront une carotte chacun. Ho ho ho. Et voilà, la petite gamelle d'Haribo, la petite gamelle de Nono, c'est parti. Ils sont où? Là il y a le cul, et la nouille il arrive. Joyeux anniversaire mon gros. Nono, viens, allez viens, dépêche-toi. Pousse tes fesses. Là, encore. Mon anniversaire, mon oeil. Écoute-toi. Bon, on va faire un pansage d'anniversaire. Ça change pas de tous les jours, mais il faut le faire quand même. Bon, et puis pour tous ceux qui me le demandent régulièrement, bon, notamment sur Instagram, pas trop sur YouTube, c'est vrai que souvent on me pose la question, c'est mignon je trouve, comment vont tes poneys, tout ça. Et bien écoutez, tous les deux vont super bien, pas de soucis apparents, voilà. Bon, les seuls petits bobos qu'on peut voir, c'est genre par exemple ça. Des toutes petites croûtes qui se font au pré, mais c'est des croûtes on va dire de joie, c'est parce qu'ils jouent tout ça. Mais sinon il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de boiterie, il n'y a pas de problème de pied. Si Haribo il a pété là, il a pété à ce niveau là, mais le maréchal Ferrand vient les voir demain. Donc t'es trop timé Haribo, c'est bien. Mais voilà, mes poneys vont super bien, c'est le principal, c'est super cool. Et là ils profitent pleinement de leur goûter. Et puis vous l'aurez sans doute remarqué, mais Haribo n'avait pas son bonnet ce matin. C'est pas du tout volontaire, il l'a perdu. Faut que j'aille le chercher dans le pré, je pense que je vais le retrouver, enfin du moins j'espère. Pour ceux qui demandent, celui de Nomad a été retrouvé. C'est bon, il a été retrouvé, c'est juste que bah, il l'a pas parce que bah, il le perd. Donc si jamais vous connaissez des bonnets pour chevaux qui tiennent, voilà, qui tiennent malgré des petits poneys sauvages qui seraient susceptibles de réussir à les enlever systématiquement, eh bien je suis preneur, même si normalement je vais en recevoir de nouveaux qui viennent de chez Raven d'ailleurs, c'est leur petite nouveauté, ils ont sorti les bonnets anti-mouche et normalement ils vont m'en envoyer pour Nomad et Haribo à tester, donc on verra bien si cela fonctionne, mais je suis quand même preneuse de vos conseils, donc si jamais il y a des bonnets vraiment, hein, comme je vous dis, qui tiennent vraiment bien, qui ont résisté à toute épreuve, que vous avez testé et approuvé, je veux bien. Bon allez, pendant que ces messieurs sont en train de terminer leur goûter, je vais aller me faufiler dans le pré des juments pour leur donner leurs carottes. Voilà, bah nous avons d'ailleurs la petite omelette qui est là. Donc omelette, elle va avoir la plus petite carotte. Tiens, joyeux anniversaire Nomad.
elle me l'a piqué. Voilà, je voulais qu'elle la croque pour la casser. J'ai pas eu le temps. Bon, accompagnée d'omelette, nous allons voir mademoiselle Thaïs. Thaïs. Et Louloute. Tiens, vite avant qu'omelette te la pique. Là, c'est le bonheur de ces dames. Tu as déjà eu omelette. Et nous allons aller voir Uzia. Zazou! Uzia qui est tout au fond là-bas. Derrière les petits arbres. Zazou! Uzia qui est la seule sportive du pré. La seule à continuer de travailler. Regarde Zoï! Regarde! Qu'est-ce que c'est? Uzia! Dis pas que tu ne vois pas derrière ton masque, ce n'est pas vrai. Uzia, regarde. C'est l'anniversaire de Nono. Oui. Joyeux anniversaire, Nono. Croc. Dis bien, madame. Voilà, donc les filles, c'est fait. Et maintenant, nous allons pouvoir aller voir les garçons. Et je vais en profiter comme ça pour ramener Nomad et Haribo dans leur pré, puisque j'ai terminé de leur faire leur pansage. Bon. Ah oui, il y en a beaucoup aussi qui me demandaient pourquoi est-ce que les juments étaient en haut et les garçons étaient en bas. Eh bien, c'est tout simplement parce que Thaïs a eu des petits soucis. Donc, elle a vu... petits soucis de pied, pardon. Elle a vu le maréchal et le vétérinaire. Et elle devait rester 2 semaines, normalement. Alors, pas immobilisée, mais éviter qu'elle fasse la con, tout ça. Donc, en fait, elle était dans la partie du haut. Et comme elle était toute seule, les propriétaires ont mis Uzia avec elle pour lui tenir compagnie. Et Omelette, bon, elle n'était pas prévue, c'est juste qu'elle n'arrêtait pas d'énir pour retrouver ses copines, Madame la Pipelette, et du coup, elle les a rejoints. Et j'ai eu la propriétaire de Thaïs tout à l'heure, et elle m'a dit que normalement, elle avait le feu vert pour retourner en bas. Donc, ils vont pouvoir reformer un troupeau tous ensemble. Allez les garçons, on va retrouver les autres. Quito, Fausto, j'ai des carottes. Viens. C'est bien. Très bien. Allez, tous ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pomme de terre. Joyeux anniversaire, Nomad. Joyeux anniversaire. Je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, oui, toi aussi tu m'aimes. Tu m'aimes parce que j'ai des carottes. Bisous. C'est bien. Tiens. Bon, Quito et Fausto. Les grands garçons. Quito, tiens, c'est l'anniversaire de Nono aujourd'hui. Alors tiens, ah, ça c'était mon doigt. Merci grand Loulou. Loulou, eh, bah alors, tiens, c'est l'anniversaire de Nono. On dit bon anniversaire Nono. Ça craque mon cœur. Oh, tu es beau, hein. Oh là 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 là. Ah mon papy Fausto. Tu m'aimes. Et tiens. Oui. Je vais dire à ta maman que je t'ai donné des carottes. Oh la no. Tu viens? Hey Noï. C'est bien. Bravo Nono. Bravo! Oh, oh, bravo. Bon voilà tout le monde, c'est en compagnie d'Haribo que je vais vous laisser. Voilà, petite vidéo toute mignonne d'un rituel annuel.
Voilà, de l'anniversaire de Nono. Promis, on fera le même pour toi en juillet, Haribo. C'est promis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de voir tous les chevaux et de voir que tout le monde va bien. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. On n'oublie pas, on souhaite encore un joyeux anniversaire à la grosse pomme de terre, là, qui est là, voilà. Et puis, bah, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut !